Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en zombie à propos d'une nouvelle offre qu'il y a dans le laboratoire. Alors avant toute chose, je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti pour la vidéo, let's go! Alors aujourd'hui je vais analyser l'offre spéciale qui est le triple titanium. Alors un triple élixir rare ou mieux garanti, plus deux élixirs aléatoires. Alors moi je trouve que cette offre est vraiment insane et oui je vous autorise à l'acheter et oui je vous conseille même de l'acheter parce que voilà c'est très rentable et je vais vous le prouver. Tout simplement je vous ai toujours conseillé le pack de 30 parce que vous allez payer 75 ou 45, vous allez payer plus cher pour avoir le même nombre de rareté, par exemple rare, légendaire, épique, vous aurez à peu près le même pourcentage de rareté d'élixir, donc vaut mieux acheter moins cher pour avoir le même nombre au final. C'est mieux, tout simplement, parce que ici vous allez payer le double du prix et l'avantage que vous allez avoir c'est un talisman. Après les talismans, moi je m'en sers pas, je les utilise uniquement dans certaines situations. Ok, c'est efficace dans certaines situations, mais sinon c'est pas des trucs que j'utilise couramment, tu vois. Donc ça me sert à pas à grand chose les talismans, donc c'est un peu de l'arnaque quoi les talismans. Il faut pas acheter le truc à 75, ça je vous le déconseille. Alors je vous ai toujours conseillé le truc à 30 parce que vous allez payer deux fois moins cher pour le même nombre d'élixirs et la même rareté en quantité d'élixirs. Donc si par exemple vous avez 100 élixirs rares et 100 élixirs légendaires et 100 élixirs épiques, et ben là vous aurez 100 élixirs rares, 100 élixirs légendaires et 100 élixirs épique plus ou moins, hein. Vous aurez peut-être 90 ou 80 ou... mais voilà, c'est franchement il y a la différence, elle n'est pas énorme, c'est juste le talisman que vous aurez en plus, tu vois. Donc en réalité vous payez plus cher pour avoir un talisman, c'est vraiment ça, hein. Glinchlinkun a déjà fait le test, c'est sûr et certain, et moi aussi j'ai fait le test et franchement je vous conseille le pack à 30. En plus vous allez payer deux fois moins cher et vous aurez deux fois plus d'élixir, donc c'est beaucoup mieux. Alors ici ce qui est bien, c'est qu'on va faire le calcul, c'est très simple, le calcul on va mettre 40 plasma, ici c'est 40 plasma et ici c'est 30 plasma, donc on va les mettre à égalité, donc on va les mettre à 120 plasma tous les deux. Donc ici il faut faire 4 fois 30 pour arriver à 120 plasma. 120 plasma en pack de 30, ça vous fait 12 élixirs. Ici on va mettre à 120 plasma. 120 plasma ça fait 3 fois 40, ok. Donc ici vous avez 5 élixirs pour 40, donc vous faites 3 fois 5, vous avez 15 élixirs et ici vous avez 120 élixirs pour le même prix. Donc ici vous avez déjà 3 élixirs en plus. Le seul truc que vous n'avez pas, c'est toujours la même chose, c'est les talismans. Et les talismans, comme je vous ai dit, moi je m'en bats les steaks, ok. Donc là je vais faire un pack opening et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc là je vais ouvrir le truc, donc j'ai le troisième élixir, ce sera rare ou mieux, ok. Et les deux autres, c'est aléatoire. Donc, je peux avoir deux légendaires ou deux épiques ou deux standards. Et le troisième, c'est minimum rare. Donc là, j'ai eu un légendaire, un standard et un rare. Mais le troisième que vous voyez, donc la bonification, je l'ai en x3. Et ça, c'est juste insane. Donc, pour votre plaisir et bon, pour mon plaisir aussi à moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert pour 6000 plasma. Comme vous allez pouvoir le voir plus tard dans la vidéo. Donc je mettrai la vidéo en accéléré quand je parlerai et vous verrez bien que j'ai fait 6000 ouvertures de plasma à 40 plasma. Donc ça nous fait 150 packs de 40 plasma que j'ai ouvert. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir combien de nouveaux élixirs j'ai eu. Parce qu'en fait il y a eu 4 nouveaux élixirs, il y a eu shopping gratuit, il y a eu expérience de mort imminente, il y a eu accro des atouts et il y a eu manne céleste en plus qui viennent de sortir. Donc c'est les 4 nouveaux élixirs qui sont sortis. Et regardez, pour 6000 plasma, j'ai quand même eu 14 accro des atouts, j'ai eu 10 manes célestes, j'ai eu 4 expériences de mort imminente et j'ai eu 7 shopping gratuits. Donc je pense que c'est quand même assez rentable. J'ai eu une histoire de 35 élixirs épiques avec l'offre de 40. Donc j'ai usé quand même 6000 plasma, c'est pas rien. Ça fait sur 150 packs de 40 plasma, j'ai eu 35 élixirs épiques. Sans compter les autres que j'ai eu en triple, hein, tous les élixirs que j'ai gagnés. Franchement, c'est hallucinant, j'en ai gagné blindé. De toute façon, vous le voyez à l'écran. Mais j'ai eu quand même 35 élixirs que je cherchais absolument, des élixirs épiques. Et bien sûr, j'ai eu d'autres élixirs épiques, hein, comme liquidation, conflagration, plus on est de fou, plus on rit, mantra rafraîchissante, en tenue et force des murs. Tout ça, c'est des élixirs aussi épiques. Donc, j'en ai eu vraiment beaucoup, beaucoup d'épiques
pour 150 packs de 40 plasma, j'ai eu vraiment full épique. J'ai eu full légendaire, j'ai eu full rare et j'ai eu aussi des standards. Mais il faut savoir que Call of Duty Black Ops 4 a annoncé qu'il mettrait le livre de Newton de Black Ops 3 sur Black Ops 4. Donc peut-être pas le même nom, peut-être pas la même chose, mais apparemment il y aura une sorte de livre de Newton. Donc ça veut dire que plus vous avez de plasma, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que quand le livre de Newton arrivera, vous allez pouvoir échanger vos élixirs que vous n'avez pas besoin contre des élixirs que vous avez réellement besoin. Donc ça va être génial. Et tous les jours, il y aura une nouvelle offre et tous les jours, vous pourrez profiter de cette offre si bien sûr vous avez assez d'élixirs pour l'échange, quoi, tout simplement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est le nombre de quantité d'élixirs à récupérer. Donc je vous conseille vraiment de viser la quantité et non la qualité, parce que quand vous visez la qualité, vous avez la même chose que si vous auriez utilisé la quantité. Imaginons vous allez user, comme Glitching Queen elle avait fait, 100 packs de 75 plasma. Donc ça vous fait 7500 plasma usés. Et si vous usez 7500 plasma en pack de 30, et bien vous allez avoir deux fois plus d'élixir pour le même prix, mais vous allez carrément dépasser le nombre des 75 plasma, du pack des 75 plasma. Donc voilà, c'est sûr et certain, il faut favoriser le nombre d'élixirs et pas la qualité. Je vous assure que ce que je vous dis, c'est pas du fake, croyez-moi. Alors il faut savoir que cette offre spéciale ne restera pas super longtemps, parce que l'offre qui était juste avant, donc à l'ancienne saison, on avait une offre qui coûtait 100 plasma et cette offre spéciale nous donnait 9 élixir. Alors c'est vrai, c'était vraiment avantageux. Le problème c'est que j'ai pas pu faire de vidéo dessus parce qu'en fait l'offre n'est pas restée toute la saison. Et moi je croyais qu'elle allait rester toute la saison. Et pendant le week-end j'étais pas là, donc j'ai vraiment pas su faire de vidéo là-dessus. Cependant c'était une très très bonne offre. Une offre que j'ai complètement loupée et que j'étais dégoûté. Surtout que deux jours avant j'avais usé tous mes élixirs pour le nouveau DLC qui était mal ancien. Et franchement j'avais usé tous mes élixirs pour récupérer des cartoucheries. Parce que j'avais utilisé tous mes élixirs cartoucherie pendant le boss. Et en fait, il était complètement buggé, mais j'ai utilisé tout. Donc, j'avais usé tous mes plasmas pour récupérer ce que j'avais perdu. Et deux jours plus tard, genre, ils sortent une big offre que moi, bah, j'ai même pas pu en profiter. J'étais vraiment dégoûté. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de profiter un maximum de cette offre. Parce qu'à un moment ou à un autre, cette offre va disparaître. Elle disparaîtra peut-être de dimanche, peut-être lundi ou peut-être mardi. Je sais pas, mais elle va pas rester éternellement, je pense. Si elle reste éternellement jusqu'à la prochaine saison, tant mieux. Mais logiquement, si elle fait comme l'autre offre, elle disparaîtra dimanche. Si je me souviens bien, c'était dimanche ou voire lundi qu'elle avait disparu. Donc, si vous voulez profiter de cette offre, c'est maintenant tout de suite. N'hésitez pas, foncez. Moi, je vous dis oui, usez tous vos plasmas. Oui, achetez cette offre tant que vous le pouvez. Moi, j'ai usé 6000 plasmas et je crois même que je vais user les autres 10 000 plasmas. Et quand cette offre sera disparue, je n'ouvrirai plus aucun pack. Maintenant, je vais tout le temps attendre la nouvelle offre du laboratoire pour user mes plasmas. C'est ce qu'il y a de plus rentable et de plus avantageux, je vous le garantis. Et pendant qu'une nouvelle offre arrive, donc avec une nouvelle saison, eh ben je vais faire des plasmas en illimité pour avoir un maximum de plasma pour quand la nouvelle offre sortira et pouvoir l'acheter en maximum de quantité et obtenir blindé d'élixir. Et quand le livre de 2 Newton sortira, je pourrai m'acheter des accros, des atouts en illimité, des man célestes en illimité, des shopping gratuits en illimité, et je vais pouvoir refaire des spéciales abo en vous aidant avec des bubblegum super cheatés. Et on va faire les secrets les mecs facilement, rapidement, et je ferai des spéciales abo avec vous pour réaliser tous les secrets de toutes les maps. Et franchement, je pense que ça annonce du lourd. La Call of Duty est en train de se réveiller, j'ai l'impression. Le zombie avec ses élixirs vont nous rendre la tâche plus facile. Et je compte vraiment que Call of Duty nous sorte les factions, les nouveaux modes de jeu, les nouvelles maps, tout ce qu'ils nous ont annoncé. J'espère vraiment qu'ils vont sortir plein de trucs en masse. Et comme ça, on va pouvoir s'éclater en monde zombie. C'est ce que j'attends depuis longtemps. Et voilà qui termine cette vidéo. Elle aura été un petit peu longue, mais voilà, je pense que ça faisait longtemps que j'étais pas sur le zombie. Là, ça me faisait plaisir de vous parler de cette offre, même si c'est que n'est qu'une offre. Moi, cette offre, elle m'a hypé. Rien que savoir qu'il y a des offres comme ça, ben moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser tous vos plasmas, d'acheter cette offre. Et puis, pendant que l'offre n'est plus disponible, vous farmez les plasmas. Vous essayez de faire un maximum de plasmas pour quand il y aura une nouvelle offre. Ensuite, vous achetez la nouvelle offre avec tous vos plasmas et vous économisez tous vos élixirs.
Et en faisant ça, vous allez avoir max élixir. Et j'espère que Call of Duty Black Ops 4 va nous sortir le livre de Nultang très rapidement, va nous sortir les factions, va nous sortir les DLC, tout ce qu'ils ont prévu assez rapidement, parce que là j'ai l'impression quand même qu'ils sont en train de se réveiller avec leur nouveau DLC 3 Days of Summer. Franchement, j'ai l'impression qu'ils se réveillent un petit peu et ça me fait plaisir. Et en plus, avec tous les élixirs qui nous donnent la super cheaté, on va pouvoir recommencer les spéciales à bois, et ça c'est juste que du plaisir, que du bonheur les mecs, parce que franchement le zombie me manque. J'adore Fortnite, mais j'adore le zombie. Donc moi je veux jouer aux deux, et c'est là pour l'instant, bah, Call of Duty, tant qu'il sort pas de nouveautés, bah, j'ai pas envie de retourner dessus. Là il y a une petite nouveauté, ça m'a trop donné envie de retourner dessus, et je suis content d'y être. Donc voilà, désolé si la vidéo était un peu longue, mais voilà, c'est que du bonheur de parler de Call of Duty. Moi je kiffe Call of Duty et I love Call of Duty. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.